Hello tout le monde, hello everybody. Bienvenue. Alors, bonjour Angèle, Gabriel, Donato, Janga, Clément, Tillover, David Placia, Didier, sorry. 35, ça passe très vite, David, 35. On te rend compte, on vient de prendre 35 ans dans la figure. Oh, mais là, dis donc. Salut Henri, pardon. Clément, bonjour. Alors, frais et dispo. Alors, dispo pour ce matin. Hein. Frais, avec le temps qui fait et la pluie sans arrêt, hein, on commence à se demander si on ne va pas immigrer finalement ailleurs. Enfin bon, ça arrose les plantes, mais là ça commence à faire 10 jours qu'il pleut tout le temps. On s'en fout, la pluie et le beau temps. Hein. Enfin, c'est juste pour dire. Mais je pense que ça va bien se passer. Il faut bien tailler, surtout les tomates, pour pas que les branches, les feuilles se touchent et que le mildiou s'installe. Il paraît, hein, parce que moi, j'y connais pas grand-chose, mais je suis les tutos. Je me retrouve de l'autre côté sur YouTube. Et oui. Bonjour Jean-Pierre, ça va bien? Manux, welcome. Alors, bah écoutez, on a, oui, j'ai commencé les deux stages jeudi et vendredi, donc hier. Voilà, la tension était à son maximum parce qu'il y a beaucoup de préparation pour faire le cours. Des exercices à envoyer, à recevoir, à classer. Enfin bref, c'est un sacré boulot d'organiser un stage. Mais je pense que ça se passe bien. Bah, ils vont me dire ce que là, il y en a qui sont là, des stagiaires. Je les vois. La pluie fait des claquettes. Oui, c'est beau ça, Didier. C'est exactement ça. La pluie fait des claquettes. Alors, on a quelqu'un du Danemark. Elborg. Ça va, ça va. Hey, Danemark. Ça, c'est cool. Alors, par contre, je ne vais pas faire anglais ou danois, je vais continuer en français si ça t'ennuie pas. Mais bon, si tu es là, c'est que tu comprends le français. Il n'y a pas de problème. Bienvenue. God bless you. Alors, bah, aujourd'hui, je vais continuer ce que j'avais entrepris samedi dernier, c'est-à-dire l'explication d'un long morceau qui s'appelle Sous les lofts de Paris. Sauf que cette fois-ci, on devrait entendre le vrai morceau comme il faut. Je vais, en guise d'introduction, vous rappeler simplement un petit peu les principes du début du morceau, qui a la particularité d'être, n'est-ce pas, en 11-8. Alors, j'ai fait une chose assez rigolote. Au départ, je suis parti sur un mode phrygien, donc un mode de mi. Hein. Alors, c'est très simple, je le disais la dernière fois, je vais le redire pour ceux qui sont là. Le phrygien, étant donné que c'est le troisième de la gamme, parce que là, dans la gamme de Do majeur, si vous montez les touches blanches, Ré, vous avez un dorien, Mi, vous avez un phrygien, Fa, vous avez un lydien, Sol, un mixolydien, un éolien, un locrien et un ionien. Donc voilà, quand vous voyez, vous montez la gamme de Do à partir du troisième degré, vous avez le phrygien. Et bien, si on fait pareil en Si bémol, en si bémol majeur, on a deux bémols, le mi bémol et le si bémol. Donc si, mi à la clé. Si je pars de do, j'ai do mineur 7, bah, le do mineur avec la sixte majeure, donc dorien, sixte, dorien, sixte majeur, dorien. Et le ré, j'ai mon phrygien qui m'intéresse aujourd'hui. Là, j'ai fabriqué un espèce de riff de basse qui est basé sur des quintes ascendantes. Regardez, ré. Mi fa sol la, si do ré mi bémol, fa sol la si bémol, do ré mi fa, à chaque fois des quintes, sol la si do, ré mi fa sol, la si do ré. Ah, je suis revenu au début. C'est-à-dire, un mi si fa do sol ré la. Je me suis trompé. Ah, la mi si fa do sol ré la mi si. Et je repars ici. Mais je vais le briser les octaves pour l'avoir dans la main. Ici, je redescends, je remonte, je repars en bas. Et ça me permet d'avoir une basse. 1, 2. Alors, ce sont les principes des rythmes axax, c'est-à-dire boiteux. Il y a des courts, il y a des longs. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, court, 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 long, 2, 3, court. Voilà, et ça fait 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1. Et ma basse est tout. Et la batterie va faire. Et
cut, cut. Et les sax vont rentrer dans la danse. Et les trombones vont rentrer. Trombone. Et là, il y a un gros tutti avec les trompettes et tout l'orchestre qui fait. L'accordéon qui était déjà rentré en solo au début fait une réponse. Voilà. Et là, maintenant, il va y avoir le thème qui fait. Alors, je vais enlever la première page que maintenant je connais. Ça, c'est le thème. Je vais le redire cette fois-ci avec plus d'orchestre, les flûtes. La deuxième exposition va être renforcée. C'est un crescendo progressif. Et à la fin, ça fait... Je vais arriver sur sol et je vais rester là-dessus. Et les trompettes vont faire... Et ça s'arrête comme ça. On va aller jusque là. Vous voyez, c'est un peu jazz rock, c'est un peu world music avec le côté arabo-andalou du mode. La musique modale, ça permet vraiment de chorusser, d'inventer tout un tas de trucs et de se dire que c'est ouvert. C'est, on peut, toutes les rencontres de notes sont possibles avec la basse. Et d'ailleurs, ça a été développé par le saxophoniste dont le nom va me revenir, qui avait appelé ça harmolodique, c'est-à-dire c'est... quand on reste dans les notes du mode et qu'on se balade, les rencontres de notes ne posent aucun problème parce qu'il n'y a pas de friction comme avec la musique tonale où il y a la sensible et la carte qui pose des problèmes de friction. Dans la musique tonale, toutes les rencontres, je veux dire, je peux jouer à peu près à toutes les notes. Ça choque pas, toutes les notes se marient ensemble. C'est une communauté facile à vivre au niveau du chorus. Donc vous pouvez travailler vos improvisations sur les modes, comme ça, ça permet de faire des tas de choses. Alors, j'avais un petit peu raconté tout ça la dernière fois. Je fais juste un petit briefing là-dessus. Et on va, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire écouter maintenant la version orchestre, mais avec un bon son, parce que l'autre fois, je n'avais pas réussi à brancher comme il fallait faire. Ça avait sauté, en fait. Et je vous fais écouter donc là, une introduction à l'accordéon par Jacques Bolognesi. Je sais qu'il y a des accordéonistes, ça va leur plaire, et à moi aussi. Voilà, c'est parti. Alors, je vous envoie la chanson. Thank you.
si sur la, si 7. Mi bémol lydien. Et on repart, entrée de la rythmique. Une marimba aussi. Les sax, donc je vous ai joué tout à l'heure. Là. Le thème qui va arriver juste après. À l'accordéon, s'il vous plaît. Deuxième exposé. Allez, fortissimo. Respiration. Très important de respirer, n'est-ce pas? Alors, vous voyez, j'étais sur le plan des tonalités, j'étais sur Ré. Donc, le troisième mode de Si bémol. Et maintenant, je passe sur Do. Le deuxième mode de Si bémol. Il y a toujours deux bémols à la clé. Deux fois. Et maintenant, c'est en quatre temps et sur un rythme un peu latin. Et c'est Do majeur, un éclair, une lumière qui change complètement pour bien montrer qu'on est passé sur une deuxième partie du morceau. Et là, ça descend. L'accompagnement descend chromatiquement sur une pédale de Do qui reste en place. Ré bémol majeur sur Do. Et la mélodie fait ça. Connaissez ça dans l'introduction, le si sur la, un si 7 sur sa septième, qui est toujours une espèce de point d'orgue, de truc de suspense, et va suivre un chorus de trompette dans le style vraiment très latin. Et vous allez écouter, maintenant je vous fais écouter, eh bien, la suite. Alors,
Michel Delacquian à la trompette. Voilà. Alors ici, effectivement, on arrive à une troisième articulation. Donc il y a eu l'intro, la rentrée de l'orchestre avec la rythmique et le thème sur le ré phrygien. Là, il y a eu quelque chose de latin, bien carré en quatre temps, avec des fonds, une montée et un riff pour terminer. Et maintenant, on passe à une troisième partie qui est beaucoup plus modale, cette fois-ci sur sol. Vous voyez, j'exploite maintenant le mode de si bémol majeur numéro 6, le sol, donc éolien, mode de la sur sol. Avec des accords de quarte qui vont être alpha, si, mi bémol, oui, vi, do, wa, la, di, da, do, da, la, do, da, do, da. Des variations avec un ré bémol sur sol, un la bécard, ré bécard, la bémol, ré bémol, ça va être la matière harmonique de ce qui suit à partir de ce mode éolien. Je vous fais écouter la suite. Donc sur ces harmonies que je viens de jouer, un truc un petit peu rock lent, je reprends là où j'étais. Donc là, je suis sur ce moment où je des nappes inharmoniques, space FX des effets, la guitare, les synthés, et c'est parti avec la trompette, le bugle, la rythmique fait des réponses. Open piano chorus et il y aura les fonds qui vont rentrer après. Ouais Arnaud, le son est bien là. D'étonnement. Do majeur sur sol. Chromatique, on descend. On peut tout faire sur une pédale. On peut jouer tous les accords qu'on veut. La basse fait toujours sol, mais ça fait swinguer. Voilà, André Ceccarelli. 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 2. Coup de rimshot, caisse claire sur le quatrième temps. Thank you.
commence à doubler un peu le débit. Les mélodies en accord. Allez, on part. On détonne. Ça s'affole. Batterie piano, synchro. Là, c'est un appel pour faire rentrer l'orchestre. 3 et 4. Attention, l'orchestre. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est pas l'orchestre encore, pardon. Je le joue d'abord au piano. C'est pour faire rentrer le synthé ici. Les nappes de synthé. La basse est là. Et deuxième fois, les cuivres rentrent. Piano. On y va. Construit un crescendo sur un chorus. Et là, on est franchement son rock saturé à la guitare. Un peu de douceur dans ce monde de brut. On va laisser la percussion maintenant parler. Piano solo. Point d'orgue. Non, on rentre avec l'accordéon là en fait. Et là, en fait, j'ai annoncé le thème de la fin. Maintenant, ça va être le thème. On va répéter ce thème-là avec un énorme crescendo façon boléro. Vous voyez, ça va monter de plus en plus fort. Et donc, on construit une entrée rythmique. Guitare, chorus. La rythmique joue très pianissimo. Nuenley à la guitare.
ramène le thème du début. Voilà. Un rappel du début. Allez, la boucle. Voilà, c'est fait. Vous avez entendu tout le morceau qui fait un certain temps. Ça fait quand même 17 minutes, hein, ce truc-là. Il y a une... un travail d'écriture très important. Et puis, un mûrissement dans les années. Parce que j'ai écrit ça des années avant, très jeune. C'était une commande de la mairie de Paris. Et... je l'ai d'abord fait quand j'ai créé mon orchestre de 13 musiciens et avec lequel on a commencé tout de suite à jouer au Festival d'Antibes, au Festival de Paris, grâce à André Francis à l'époque. Et donc, on a quand même réussi à faire une dizaine de concerts déjà la première année avec un morceau qui était sur des mesures asymétriques. Ce n'était pas du tout la mode à l'époque, c'était vraiment précurseur parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de ces choses-là. Des mesures asymétriques, c'est devenu complètement le truc aujourd'hui. Voilà, donc merci pour vos encouragements. L'album, vous pouvez le trouver sur mon site. La partition, je vais essayer de la placer, la partition pour orchestre, la partition... J'ai en fait décliné cette partition dans beaucoup de formations différentes. Hein. Il y avait même une formation avec deux accordéons, basse-batterie, je l'ai pour deux pianos, j'ai vu passer, est-ce que deux vibraphones peuvent jouer ça? Ça, c'est difficile, deux vibraphones, ça serait mieux vibraphone et marimba, parce qu'on va manquer de basse s'il n'y a que deux vibraphones. Hein. Moi, j'en ai joué, j'ai fait un disque, mon premier disque, avec Andy Hemmler, on était tous les deux piano et vibraphone, on échangeait, on jouait piano et vibraphone. Et si mes souvenirs sont bons, le vibraphone, il s'arrête au fa ici. Hein. Tandis que les marimbas peuvent descendre jusque là, ou voire même plus pour des très très gros marimbas. Donc, ça serait mieux comme ça. Ou alors, vous prenez deux vibraphones et puis une petite basse et une percu. Enfin bon, bref, il y a plein de façon d'orchestrer ça, puisque la matière est orchestrable, comme on dit, transcriptible. On peut la transcrire pour toutes les formations. Voilà. Alors, vous avez vu comment le ré phrygien du début met une espèce d'ambiance un peu... à la fois nostalgique et un peu mystérieuse, flottante. La deuxième partie, le plan tonal du morceau, la deuxième partie, ça passe sur ti. Et il y a un éclaircissement dans le paysage avec le do majeur. Ça, c'est le petit motif qui revient tout le temps comme le coup du destin, une question, un truc, ça allait bien. Et puis là, il y a des espèces de trucs un peu bizarres qui s'insèrent, le truc imprévu, la surprise qui s'insère dedans. La troisième partie est en sol. La partie chorus de piano, modal, en sol. Ensuite, les riffs de... Et puis, il y a la partie chorus de percussion. Toujours sur les mêmes modes Do mineur 7, le second mode de Si bémol majeur, et toute la fin avec ce Sol. Et on termine la tonalité triomphante, ça sera Sol mineur. Finalement, c'était pas en Si bémol majeur, c'était en Sol mineur. On a souvent des, comme The Thing, des thèmes qui commencent dans d'autres tonalités ou dans
avec un autre accord. Attention, la tonalité d'un morceau, très souvent, on ne la voit pas sur la première mesure, on la voit au bout d'un moment. Hein. C'est souvent fait comme ça pour ménager des surprises, comme disait Paul Klee, un très célèbre peintre mais fabuleux. Il disait « L'art surgit de la surprise ». Et cette phrase, elle m'accompagne tout le temps. Et c'est amusant parce que Duke Ellington disait la même chose aussi. Il disait « Terminez toujours vos morceaux avec une surprise, quelque chose d'inattendu ». Il faut toujours maintenir cette espèce de surprise dans vos arrangements, compositions, formules, orchestration, projets, groupes. La surprise est un élément indispensable pour éveiller l'attention. Écoute, alors Didier, l'inspiration, elle vient de la vie d'abord. Elle vient de ce que tu as entendu récemment ou il y a longtemps. Elle vient des gens, beaucoup. Les gens, quand tu rencontres les gens, ils ont une façon d'être, de parler qui... Chez moi, ça se transforme en sonorité très, très vite. J'entends la voix de quelqu'un, ça, j'entends des mélodies. Hein. Vous vous souvenez que Serge Gainsbourg écrivait pour des chanteuses? Il avait un truc incroyable, il avait bien compris ça, enfin, il ressentait ça. Franchement, les chansons qu'il a écrites, que ce soit pour Brigitte Bardot ou toutes les actrices ou chanteuses connues, correspondaient complètement à la personnalité de la chanteuse. Il était absolument génial là-dessus. C'est fabuleux. Donc les gens, oui, les gens sont des sources d'inspiration, la vie, les œuvres musicales, et puis quelques aspects techniques aussi, utiliser des modes, utiliser des rythmiques. Là, on a quelque chose d'un peu indien, on a quelque chose d'un peu jazz-rock, il y a l'époque aussi qui est là. Et puis, ben, avec un orchestre de 19 musiciens, on a beaucoup de timbres à sa disposition, on peut vraiment orchestrer. Qui est à la guitare, Donato? C'est Nguyen Le. Nguyen Le, qui était d'origine vietnamienne, français, et qui avait, avec ses compères, créé le groupe Ultramarine, à l'époque, qui était le pendant de Sixsun. Et j'avais, dans la deuxième, après cet enregistrement-là, j'ai eu une nouvelle rythmique, qui était la rythmique d'Ultramarine, malheureusement sans le clavier, puisque c'était moi le clavier, et que j'en avais même un autre clavier. Donc voilà, c'est un... Pierre, il est foutu comme mon cerveau. Bah, si tu veux, à force de chercher, de trifouiller dans la boîte à outils, je commence un petit peu à savoir me servir du marteau, de la pince, de la perceuse. C'est pareil, c'est par fréquentation. Bah, c'est pour ça que je vous dis de bosser vraiment tous les jours un peu, même si c'est un peu. Parce que le cerveau est fait d'une certaine manière, que les connexions neuronales se font par des synapses qui se renforcent. Plus vous pratiquez, plus vous êtes immergé, plus les choses surgissent, quoi. Ça, c'est vraiment incroyable. Béatrice va écrire une mélodie sur ma voix. C'est très tendance. Il y avait un gars qui avait commencé ça il y a longtemps. D'ailleurs, Frank Zappa, je crois, l'avait fait. Et maintenant, ça se fait de plus en plus. Vous entendez le discours d'un homme politique, et il y en a un qui relève et qui le joue soit à la trompette, soit au clavier, soit à la batterie, en même temps que le discours. C'est très amusant. Ça se fait de plus en plus de coller de la musique sur les discours. Alors, quand vous avez un accent brésilien type Rio, par exemple... Quand il parle, vous avez carrément des mélodies, mais c'est... Et puis, bah, l'anglais, hein. It's fantastic. On peut effectivement s'amuser à coller à la voix. Et bon, bah, les mélodies, c'est un mystère, comment ça surgit. Vous avez tous des mélodies dans la tête, des mélodies qui traînent, que vous entendez, et des fois, plusieurs jours de suite, bah, faut la noter, hein. Puis après, c'est le travail. On dit toujours qu'il y a 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Voilà. Alors, n'hésitez pas. Ouais. Est-ce que j'ai rencontré Gainsbourg? Non, lui, je ne l'ai pas rencontré. J'ai rencontré des gens extraordinaires, mais pas Serge Gainsbourg. Celui qui m'a le plus marqué, c'est Gil Evans. Gil Evans, qui était arrangeur dans des projets avec Miles Davis. Un homme extraordinaire et extrêmement chamanique. Hein, quand il rentrait dans une pièce, il avait le pouvoir de faire changer toute l'ambiance.
D'ailleurs, dans cet enregistrement-là, dans ce disque, on ouvre avec une pièce de Guy Lévens où il était là au piano et il a décoincé l'orchestre d'un coup, parce que tout l'orchestre était un petit peu tendu, c'est quand même une énorme star du jazz. Et il leur a dit, allez-y, on n'est pas au casino, c'est pas un orchestre de casino, défoncez-vous. Et ils se sont lâchés, ça a été magnifique, c'était un blues. Orange was the color of her dress, then silk blues. Un thème de Charles Mingus, vous voyez la longueur du titre, arrangé par Guy Lévens, ça ouvre l'album de l'ONG, qui est derrière moi d'ailleurs, c'est cet album-là, ouais, en 87. C'est dans cet album-là qu'il y a ce que vous venez d'écouter. Qui est sorti après en CD, vous pouvez trouver sur mon site, bien sûr. Voilà, donc toute une époque et un tas de connexions. Et j'avais la chance d'avoir de fantastiques musiciens, notamment tout le monde. Mais bon, il y avait quand même André Ceccarelli à la batterie, c'est le cœur de l'orchestre. Le cœur, il a intérêt à être solide hein, quand on est 19 sur scène avec une sono et 2000 personnes devant. Le batteur... Si le moteur n'est pas au point, basse batterie, tout le reste s'effondre, c'est la base. Donc lui était extrêmement solide avec une finesse de jeu, une coloration. Vous entendez le son de son rimshot, c'est extraordinaire, hein, c'est vraiment un son complètement à lui. Des cymbales extrêmement fines, et puis je peux vous parler comme ça de quasiment tous les musiciens. On avait Glenn Ferris au trombone, on avait Bolognesi à l'accordéon, vous l'avez entendu, mais surtout au trombone. Et premier trompette, Philippe Slominski, extraordinaire premier trompette. Il saisissait tout de suite comment fallait que ça sonne. Et lui, il lisait la musique, mais si la sol, do, si la sol, c'était une info pour savoir à peu près ce qu'il fallait jouer. Mais tout de suite, il cherchait dans sa tête comment il fallait le jouer. Et il était directement sur la musique et pas du tout sur la partition et les notes. C'était juste un pense-bête. Donc voilà, les vrais musiciens, quand on leur met une partition, ils ne se laissent pas bouffer par la partition. Ils ont en quelques millisecondes, ils imaginent comment on doit phraser, comment on doit interpréter. C'est ce qu'il faut rechercher quand vous déchiffrez une partition. Ce n'est pas forcément les notes exactes, ce n'est pas forcément tout. C'est comment rendre tout de suite un effet de son. Hein. On ne va pas phraser pareil selon le type de musique. Voilà, des infos, un tas de trucs pour se repérer. Ben, écoutez-le, ce disque, hein, il y a beaucoup de choses. Il y a un Round Midnight complètement fou avec Didi Bridgewater, avec justement, alors, au niveau des harmonies, là, je me suis lâché, ça part dans des harmonies incroyables, le Round Midnight. Déjà, je le fais en majeur au début. Sur sol bémol. Bémol majeur lydien pour terminer. Et puis le pont avec ses dissonances. On me demandait c'est quoi les voicings? Substitution tritonique, encore les voicings dissonants. Ensuite les descentes par tierce mineure. C'est vraiment mon
on est revenu sur le dernier A, encore majeur, décidément. Il y en a un qui était furieux contre moi que j'ai fait ça en majeur, ça m'a beaucoup plu. Un guitariste très connu américain qui a enseigné, qui a dit « Mais il est fou ce mec !» Ah, merci, j'adore. Vous savez, dans le jazz, il y a un académisme qui s'est installé, qui est absolument incroyable. Mais il faut leur rentrer dedans, on y va, allez-y, modifiez tout ce que vous voulez, la liberté. Il reste de la liberté dans le monde artistique et dans le jazz, alors que les mecs maintenant ont décidé de tout classer, de tout ranger, d'interdire de sortir du cadre. C'est hallucinant, quoi. Avant, le jazz, c'était libre. La liberté, je vous le souhaite, elle est très, 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 très malmenée aujourd'hui d'une manière incroyable. Je crois que c'est historique, on n'a jamais vu ça à ce point-là. Alors, continuons avec la musique de créer des îlots, si possible, de liberté. Et une liberté est d'autant plus précieuse quand vous avez acquis les règles, que vous avez compris comment ça marchait et que vous arrivez à dépasser les règles. Parce qu'une liberté totale, sans règles, c'est-à-dire un free total, ça marche rarement parce qu'on n'a rien qui résiste, on n'arrive pas à stimuler la pensée, on n'arrive pas à créer une structure, même complètement free. Mais aujourd'hui, on travaille ces aspects-là. C'est plus pris pour des rigolos. Hein. Voilà. Donc, je pense qu'avec ce qu'on appelle communément les standards, ou alors ses propres compositions, il faut toujours garder en tête qu'il y a une liberté, qu'on peut sortir du cadre, inventer autre chose, et on peut tout faire, c'est matriciel l'harmonie jazz. Sur un sol, je peux faire tous les accords. Je peux faire Do majeur, je peux faire Si 7, Si bémol 7, La 7, La bémol majeur, Sol sustain 4, Fa dièse 7, Fa majeur ou Fa mineur, Mi mineur, Mi bémol majeur, Ré mineur 7, 11, Ré bémol dièse 11 et Do. Donc vous voyez, avec une note, je fais le total chromatique, je peux harmoniser exactement comme on veut. Monk, combien existe-t-il de versions de Round Midnight? Des centaines et des centaines. Et Monk était un génie absolument. Le nom du guitariste, c'est Nguyen Le. Et vous savez que Monk avait été au-delà même de ce qu'on imagine. Il a inventé la musique électronique avant l'heure. Il y a un pont entre la musique électronique et ce que recherchait Monk. Le pont, c'est l'acoustique. Parce que la musique électronique travaille essentiellement sur le timbre, avec une lutherie informatique, et donc des algorithmes qui vont déformer la structure harmonique des timbres et appliquer des effets, soit contrôlés, soit aléatoires. Et c'est mise en résonance des fréquences et leur mise en modulation. Monk avait commencé à travailler ça, il accrochait sur son mur des casseroles et des poêles qu'il allait acheter frénétiquement. Il revenait, il accrochait une nouvelle poêle et au piano, il cherchait. Il faisait des accords jusqu'à ce qu'il entende que la casserole résonne. Elle rentre en résonance avec son accord. Il était content. Et alors, il cherchait des accords comme ça qui déclenchaient la mise en résonance du métal accroché sur le mur. Je peux vous dire que quelques années plus tard, là, on est dans les années 50, dans les années 80, alors je ne sais pas exactement quand, mais les scientifiques, c'est devenu un sujet majeur, ça, la mise en résonance des matériaux, et notamment pour la conquête spatiale, pour aller sur Mars, prendre des robots et faire des prélèvements de cailloux sans les casser, il fallait calculer la pression. Dans un avion, il y a un ingénieur qui m'a raconté tout ça. Et donc, on faisait des simulations par la fréquence sonore, est-ce qu'elle cassait le caillou ou pas? Alors, je ne peux pas vous en dire plus, mais Monk avait ouvert la voie à une perception très acoustique de l'harmonie, timbrale de l'harmonie aussi. Il attaquait son piano avec beaucoup de puissance. Il détestait les violons sirupeux hollywoodiens. Il voulait l'inverse. Et il rejoignait en cela ce que disait
Pablo Picasso, puisque Picasso disait « l'art doit gratter ». Si l'art est trop sirupeux, ça ne marche pas. S'il n'y a pas de surprise, ça ne marche pas, disait Klee. Si ça ne ça sonne pas et si ça ne met pas en résonance les matériaux, ça ne fonctionne pas, pensait Thelonious Monk. Donc tous ces gens-là ont vécu à la même époque et vous voyez qu'ils étaient dans des recherches très poussées. Ce qui, vu d'aujourd'hui, paraît incroyable. Il y a encore ces recherches-là aujourd'hui, mais elles sont cachées, hein. Vous ne les verrez pas dans les médias. Parce que les médias, maintenant, ils font que du business, donc ils ne vendent que des trucs pré-mâchés, emballés, si, voilà. Tout doit être conforme pour se vendre. C'est que ça, c'est que du business. Donc l'art et la création existent aujourd'hui, simplement, ben, vous n'en savez rien, on est désolé. Ça n'est plus à l'ordre du jour. Donc, pas grave, on a les réseaux sociaux, on a YouTube, on peut se parler, on peut communiquer, mais évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Mais ça n'empêche pas que ce phénomène de création et de liberté dans la musique s'éteindra pas. Il sera masqué peut-être pendant un moment, mais il s'éteindra pas. C'est pas possible, vous pouvez pas éteindre l'esprit, vous pouvez pas. Alors, ils essayent par tous les moyens, mais non, ça ne marche pas. Donc, je suis quelqu'un, en fait, de très optimiste. Voilà. Je crois que la musique, en majeur, ah, le fa dièse, ça donne un côté un petit peu nordique, un peu lointain. Des glaciers, des grandes étendues, la lumière du soleil qui se reflète dans la glace. Ben, si je vais, c'est des couleurs, sont des couleurs les harmonies. Si je descends sur la minor 7 maintenant, je vais être dans une couleur plus intime. Écoutez. Et maintenant, je reprends un autre paysage avec un fa lydien, mais plus lointain. J'associe la dynamique, je joue plus piano là-dessus. Et maintenant, je pense à ma cadence pour terminer ou pour revenir sur mon do du début. Et j'ai fait un cycle. Mon la mineur à nouveau. Alors soit je vais sur le fa, mais hey, je l'ai déjà fait, c'est prévu. Eh ben, je vais faire une surprise. Un la bémol. Et là, je rentre dans le système tonal. Chromatique. Et je reviens, inattendu, sur le do majeur. Des surprises, des couleurs. On peut improviser sans grille, sans avoir rien prévu, en pensant aux couleurs, en pensant à la dynamique. Et franchement, c'est illimité, hein. Là, je suis dans un langage entre le tonal et le modal. Gbo, quelle est cette composition? C'est une improvisation. C'est pas une composition, c'est une pro direct. Peut-on apprendre à jouer de cette façon? Oui, tu peux apprendre à jouer de cette façon. Déjà, t'essayes toi-même des choses, hein. Moi, j'ai toujours en main gauche do, sol. J'ai 1, 5, 7 ou 1, 7, 3. J'ai la chance d'avoir une grande main, ça aide. Donc, j'ai toujours le 1 ici et ici, un mode. Et puis, je décide si ma carte... Si ma carte est bécart, je ne vais pas la jouer avec le mi. Hein. C'est là que ça gratte trop. Hein. Donc je vais la jouer fa dièse. Et après, pendant que je joue ça, le truc, c'est que j'essaye d'écouter qu'est-ce qui m'intéresserait après. Alors, il faut avoir développé son oreille interne. Tu veux jouer comme ça, il faut développer l'oreille. Tu veux être musicien, développe ton oreille. Tu veux faire de l'harmonie, travaille ton oreille, chante. Tu veux écouter de la musique. Travaille ton oreille. Bref, la musique, c'est l'art des sons, et les sons, ils passent par là. Et ça, on ne pourra pas le changer. Et on a aussi une oreille interne.
Donc l'oreille. Alors vous avez des petits logiciels qui se mettent sur ces petits engins-là, qui vous permettent, quand vous n'avez rien à faire ou en voyage ou un truc comme ça, bah, d'écouter, de travailler un peu l'oreille, les intervalles, faites-les au piano, chantez vos intervalles. Non, donne, il ne faut pas 25 ans de travail. S'il te faut 25 ans de travail, passe plutôt à la menuiserie, ou, tu vois, parce que ça veut dire que là, tu n'as bah, plus d'oreille, quoi. Donc, non, il faut, en quelques semaines, ça y est, il commence à se passer des choses, hein, un petit peu tous les jours. Non, ça c'est... Tu vois, quand tu dis ça, c'est une manière de dire, je ne veux pas, ce n'est pas pour moi. Non, c'est possible, c'est pour toi. Un peu tous les jours, tu vas voir dans un mois... Au contraire, ça marche très très bien. George Russell, excellent arrangeur. Un monde entre la théorie et la pratique de l'harmonie? Non, bah, c'est une impression. En fait, la théorie et la pratique de l'harmonie sont intimement liées. Dans mes cours d'harmonie, là, je le démontre. Hein. Vraiment, hier, j'ai montré à quel point toutes les mélodies de standard suivaient les règles de l'harmonie, mais à la lettre, parce qu'ils étaient écrits par des très grands compositeurs classiques qui avaient immigré d'Europe, la plupart juifs, parce qu'il y avait des pogroms, c'était terrible la situation en Europe. Ils étaient partis aux États-Unis et ils avaient fait une grande carrière dans la comédie musicale, la variété. Et quand ils écrivaient un standard, mais alors c'est un recueil du traité d'harmonie. Ça, vous pouvez y aller. Ils étaient très au courant, au contraire. Béatrice, des improvisations courtes, sans pont, sont très agréables à faire et à jouer, mais tu peux aussi rester sur le même mode. Hein. Par exemple, la mineur. Il faut mettre toute son attention sur la mélodie. Et faire juste un petit voicing comme ça. Mi, ré, ré. Et quand tu commences à faire parler les voix, bah tu respires la mélodie, parce qu'on veut entendre les autres aussi. Dermaplex, tu as trop écouté Kiss J'arrête. Et Kiss J'arrête n'a vraiment pas inventé ça, je t'assure. Bah, vas-y, écoute Eric Satie, tu vas voir si ça te fait penser à J'arrête. Bah, parce que moi, quand j'écoute Kiss J'arrête, j'entends Eric Satie, j'entends Rachmaninov, j'entends Ravel, j'entends Debussy, j'entends le folk, le rock, la pop, la world music, la musique orientale, le Moyen-Âge, les musiques... Mais oui! J'entends ça. Ça, c'est du... un choral élisabétain. C'est comme ça qu'il fait. C'est comme ça que je fais. C'est comme ça que font les musiciens. On se cultive, on se renseigne, on va voir le plus loin possible ce qui existe. On l'acquiert et on le restitue à sa manière. Et c'est comme ça que ça fonctionne, la création. Voilà. Très très bien. Oui, le DVD, j'arrête. Ben, j'en parle de ça dedans. Exactement, Dermaplex. Merci. Oui, Gabriel, c'est du Antoine Hervé. Il faut. On peut ramener à ce qu'on connaît, ramener à du déjà vu, mais ne niez jamais l'identité d'un artiste. C'est le meilleur moyen de le mettre en pétard. Il faut laisser les gens exister, même si vous découvrez quelque chose ou si vous pensez que vous connaissez déjà. En fait, laissez les choses exister sans automatiquement les mettre dans une petite boîte. C'est un gros défaut et ça tue la diversité. Vous voyez ? Voilà, vous avez compris. Bon, bah, écoutez, il est l'heure, on va se quitter. Vous pouvez encore vous inscrire au stage d'improvisation, puisque là, je vais finir ce week-end de monter le replay de la première session. Et franchement, vous allez pouvoir regarder ça, prendre les exercices, prendre le train en route, ça pose... Je fais tout pour que ce soit possible en replay, et vous pouvez attraper les prochains lives. Il est encore temps. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont là, qui y sont. J'espère que vous êtes contents déjà du démarrage. Et puis, bah, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à très, très bientôt. Et restons dans les accords majeurs. Quand il pleut,
Voilà, il va être temps pour moi de vous dire au revoir et de vous souhaiter un très bon week-end. Salut!